Ce matin, je retentais de lui mettre la petite robe en jean, mais ça va pas en fait. Maintenant, elle est trop courte. En fait, je lui avais essayé il y a peut-être 3 semaines, sauf qu'elle était trop large, mais vraiment beaucoup trop large. Et même elle, on voyait qu'elle était pas à l'aise. Enfin, c'était du n'importe quoi. Donc, je me suis dit, je vais attendre un peu. Mais là, avec les chaleurs qu'on a eues, c'était pas le moment. Et là, je me dis, allez, vas-y, je vais lui réessayer. Et en fait, niveau taille sur les côtés, tout va bien. Mais alors, au niveau longueur, en fait, ça lui fait plus une tunique, mais en fait, on voit tes fesses. On voit tes fesses. Et du coup, c'est pas joli, quoi. Mais bon, on va voir tout à l'heure ce que papa y dit. Sinon, tant pis, hein, on la changera. Et puis, peut-être que les robes en jean, c'est quand elle va commencer à marcher, peut-être. Ça rendra mieux que pour un bébé qui est qui marche pas. Bon, elle a pas l'air traumatisée, hein, que ce soit plus petit. Et ça fait 2 jours d'affilée qu'on lui met des collants. Et apparemment, elle aime bien. Elle râle moins quand on lui met qu'un pantalon, par exemple. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. T-shirt ? Tellement amusant que bientôt. Ouais, alors on fait n'importe quoi dès lundi matin. Bidou, bidou, bidou. Doudou, bidou, 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 bidou. Hourra! Tu veux pas rigoler? Elle est encore un peu dans le cosmos. À ton tour de chanter. Elle s'est réveillée un peu vers 6h. Et je l'ai laissée dans son lit en me disant qu'elle était sans dormir. Mais en fait, à 6h20, toujours en pleine forme et tout, on se dit bon, on va se lever. On a pris le biberon. Et puis elle s'est endormie une petite demi-heure. Comme ça, maman, elle a pu aller se laver tranquille. Ouais, commencer le montage du vlog de la semaine dernière pour vous. Et puis voilà. C'est le début d'une grande semaine. Tiens mon cœur. Lucia. Tu veux pas la prendre? Tiens. Ah ouais, non, mais ça rigole. Attends. Ah merde, c'est dommage. Tiens mon cœur. Ah non, c'est de faute. T'as voulu tester. Ah, voilà. Bon, on va voir ce que t'as fait. De toute façon, il fallait la changer. Ah, bah voilà. Bah. Mais bon, sinon on aurait pu vite l'attacher. Tu veux pas prendre? Tiens, mon gars. Tiens, le lâche. Je lâche? Non, t'as pas envie. Bon, on va essayer. Non. On digère. Et je l'ai changé parce qu'au final, il fait pas si froid que ça aujourd'hui. Donc le sous-pull et les collants, c'était pas la peine. Du coup, t-shirt et leggings. T'as quelque chose à dire? Ouais, tu fais bloup bloup hein, quand tu bouges. Mais...
Alors, de base, elle était dans l'autre sens, donc la tête par là. Et j'avais mis le piano, et juste Woody et ça. Et puis d'un coup, en fait, elle a commencé à tourner. Donc du coup, j'ai mis d'autres jeux là. Et maintenant, elle est là-bas avec la grenouille. Et là, elle va commencer à râler. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Raconte à maman. T'as plus de force ? Et ça bave. Faut pas aimer son bras. Eh hey, oh, voilà. Du coup, on va te reculer encore un peu. Hein? Non, là, t'y arrives plus. Là, t'y arrives plus. Oh, pardon, pardon, pardon. Eh, j'ai juste voulu piquer ton. Oh, il lâche mon nez. Il lâche mon nez. Papa disait que j'aime pas. Non mais franchement ma fille, qu'est-ce que je vais faire de toi? Je suis sûr que maintenant si je te passe le téléphone, il y a moyen qu'on recommence la même chose. Ça, bébé en gros plan, hop, je chope le téléphone et je parle. Et je retire moi de la bouche. Bah, hé, on mange pas le téléphone de son père. Et le téléphone c'est pas comestible hein. Non mais, c'est quoi ce bébé qui mange? Le téléphone. En plus, t'as réussi à dézoomer mon téléphone, il y avait une qualité de caca. Une qualité de caca. De caca. De caca. De caca. Oh.
je viens de percuter que j'avais pas encore montré la guirlande dans le vlog. Non. Je l'ai mise dimanche matin, je crois. Et parce qu'en fait, on n'a pas encore de petite lampe pour mettre dans le salon. Chose que moi, j'aimerais trouver depuis au moins 2 ans. Mais bon. Tu me parles à moi ou tu filmes? Je filme et je filme quoi? Je filme là. Et en fait, là, ça va être le meilleur pâtissier. Donc, je m'étais fait des crêpes pour dire de manger devant. En fait, j'avais tellement la dalle qu'en fait, j'ai mangé avant. Donc, voilà. Ouais, t'as rangé avant. Et en fait, regardez, nous, ce qu'on fait quand on a une émission qu'on aime bien, mais que les pubs, clairement, ça nous saoule. Donc, souvent, c'est Le Meilleur Pâtissier, Top Chef ou Koh-Lanta. Les pubs, t'en as moins pour 30 minutes. Donc, en fait, souvent, on met pause avant l'émission. Ouais. Et on fait ce qu'on a à faire. Et comme ça, après, quand c'est les pubs, on peut avancer et en gros, on zappe les pubs. Ça finit à la même heure et tout, hein, mais nous, on est contents, ça nous fait passer des pubs, quoi. Bon, bah allez, c'est parti pour le meilleur pâtissier. Il n'y en a plus, bébé. Il n'y en a plus. Maintenant, ça fait peut-être 2-3 jours où elle essaye de tenir son biberon toute seule. Donc forcément, au début, comme il est plein, c'est compliqué. Mais à la fin, elle le tient très bien, forcément, parce qu'il est plus léger. Mais du coup, elle veut plus qu'on l'enlève. Et maintenant, on a le bidon rempli. On a le bidon rempli. Maintenant, on va faire un câlin pour digérer. Ouais. Allez, c'est parti. Plus de 3 heures après, j'ai enfin fini. Mais je suis contente. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui. Détour de l'univers. On peut échanger. Oui. On se moque de lui. Donc j'ai fait une tarte brocoli. Ça c'est du poulet. En fait c'est des ailes de poulet que j'avais, que j'ai cuit. Avec des oignons rouges que j'ai tout passé au mixeur et que j'ai mis dessus. Là, c'est quoi déjà? Courgette, pommes de terre. Et thon. Avec un pareil quiche. Ouais. Purée de pommes de terre carottes avec du cheddar dessus. Chou-fleur à l'eau. Chou-fleur. Chou-fleur. Enfin, gratin de chou-fleur. Parce que j'ai fait une béchamel maison. Parce qu'on avait bien aimé il y a 15 jours, donc j'y allais. Du chili. Et est-ce que vous êtes comme moi quand il reste pas grand chose de riz dedans, enfin pas de quoi faire assez pour une assiette, bah du coup tu cuis tout, tu te dis pas tant pis, on aura plein. Non, non. J'ai pas compris ta question. En fait. Bah, c'était facile. Hein. Non, pas compris. Bah, regarde, genre. Tu mets ton paquet de riz, hein, c'est pas beaucoup dedans, tu t'as mis plus. Ouais. Pour pas qu'il reste 15 grammes de riz dans le placard. C'est bon, on a compris. Ça, c'est la viande que j'ai dû déjà pré-cuire parce que ben, comme elle était congelée, que j'ai eu la bonne idée de la décongeler. Enfin bref, c'est pas grave. Et là, j'ai fait les compotes pour le bébé pour les prochains jours que je vais mettre au congèle. Donc, pommes de terre, pommes de terre carottes, pommes de terre carottes, pommes de terre courgettes. Bon appétit. Tu manges comme si t'allais me montrer à moi. Alors, les petites chaussures pour Steve. Ouais. Elles sont mignonnes, hein? Elles sont mignonnes. Elles sont en tout doux dedans. Le bonnet que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais, petites oreilles. C'est comme celui de maintenant, il lui va pas très longtemps encore. Du coup, j'ai pris la taille au-dessus et j'en ai pris un autre encore au-dessus. Ah, lui, il est trop beau. Bah, j'ai essayé de prendre. En fait, il n'y avait pas en rose. Ah, les deux sont beaux, mon cas. Hein. Une paire de collants, tout. J'ai pris un petit livre comme ça. D'accord. C'est censé être pour le bain, mais un petit legging. Okay. Un autre petit legging. Oh, le mignon, c'est avec ses baskets. Avec ses baskets. J'ai pris quasiment que des pièces de bain, en fait. Regarde un petit ensemble. Ouais. Alors, ça, c'est le haut. Ouais. Tu vois. Et regarde avec un short. Ouais. Et ses petits collants, quoi. Et les petits collants, du coup. Imagine ça comme ça. Ouais. Avec les petits collants et les petites chaussures. Et le bonnet. Et le bonnet. Ouais. Un short. Il y a un tourné. Un pyjama de pièces. Parce qu'on aime bien. Ça fait grande fille. Un pantalon. Ou c'est en tout doux dedans. Un autre pantalon. Ouais, les mignons. Un pull. Un autre pyjama. Ouais. En deux pièces. Ouais. Un short, mais ça c'est pour cet été. Mais il était en promo. Ouais. Et un gros legging. Ah, cool. C'est ça. Ah, t'es tombé!
On fait. T'es tombé. Tombé. Non, 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 non. Attention, on reste encore. Mais j'en suis le nouveau chien. Tu donnes à papa. Donne à papa. On refait, mon cœur. Lily. On refait. On refait. Mais j'en suis le nouveau. Attention, on refait, mon cœur. Allez, on refait. Chatouille à papa. Attention, attention, tu chatouilles, tu chatouilles. Il ne pleut. T'es avec Lily. Non, je suis chatouillé, je suis chatouillé. Arrête. Il y a deux autres, elle éclatait de rire et là, d'un seul coup, elle se refait. Elle se fait les gougoutes. Non, je suis chatouillé, je suis chatouillé. Elle refait. Non, je suis chatouillé, je suis chatouillé. C'est belle, mon amour. Ça y est, c'est fini. Oh, elle a ouvert ses yeux, genre, oh putain, c'est une... Regarde la caméra. Ah, il est fou, mon père. Elle a plein de bœufs partout. Je sais pas ce qu'il a fait le plus rire, si c'est le fait de faire des vagues ou si c'est les bisous. Tu me tiens à mon épaule, genre, papa, il y a chaque truc à te dire. Bonne Gertrude. Moi, je monte mes fesses. Je monte mes fesses. Petit twerk. Ça fait plus d'un quart d'heure qu'elle rigole. Ça fait plus d'un quart d'heure que... Oui, parce qu'elle a fait un caca. Bah, je suis pas... Elle rigole pourquoi? Parce que... Parce que papa, il a eu maman. Oh, putain, l'odeur. Maman, elle, en fait, elle a déjà fait un gros... J'ai reniflé ses feuilles, j'ai dit, oh, gros pipi, tu peux le faire, mon cœur. Allez, j'ai dû me contenir pour pas vomir, hein, quand j'ai reniflé. Maman, elle dit que je dis des bêtises, mon cœur. Maman, elle dit que je dis des bêtises, mon cœur. On va voir sa réaction à maman quand elle va voir le pain. Jusqu'au milieu de son dos. Lily, bébé, Liliana, on peut se retourner, hein. Bébé, Lily, Lily, on est là, on est tous là, la famille, on est tous là. Retourne-toi. Il y a le chien, ça y est. Liliana, mon amour. Ouais, c'est foutu, hein. Maman, elle a donné à manger au bébé, mais comme elle arrête pas de vouloir tenir le bibi toute seule, on lui a mis un coussin.
Mais elle veut plus le tenir maintenant, maman. Apparemment, ça l'embêtait juste que tu tiennes. Ça va aller, mon bébé? Tu veux pas que papa y redresse un peu le bibi, comme ça? Comme ça? Non, tu veux tourner la tête, de toute façon. Oh, bah, elle a l'air de se régaler, mon cœur. Et tout, là. Va chercher les doudous. Yeah, mon bébé chien qui a tapé dans mes chaussures. Ah, t'es féroce. Regardez, je vais vous faire... On peut faire la bagarre avec les pieds de ces chiens. Là, c'est trop cool, regardez. Parce qu'avec un Yorkshire, tu fais ça, boum. Il décolle. Regarde. Ah, je vais refaire la bagarre, mais là, elle veut plus. Donne le joujou. Donne le doudou, pour ça. Et là, refais la bagarre avec le pied d'abord. Refais la bagarre. Refais la bagarre. Regarde. Ah, elle me met des coups de griffe, sa mère. Aïe, 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 arrête de le pousser. Aïe, 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 aïe. Tu croques mes orteils maintenant? Non, 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 non. Regarde, le chien, elle a l'air vachement attaqué. Regarde sa queue. Non, 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 non. Non, 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 non. Regarde, on dirait pas, regarde, mon cœur, elle regarde le tennis. Attention, service. Roland Garros, le chien. Et le... Sauf que le tien maintenant. C'est bien, mon bébé, tu tiens ton bibi. On est en train de digérer, ça faisait 5 minutes, elle était collée à papa. Comme ça. Mmh. Oreilles chaudes. Mmh. Ah, t'es chaude des oreilles. Papa, il est en train de prendre un kiff de chaude, d'oreilles chaudes. Mmh. T'as bien mangé? Vous avez vu, elle fait des croûtes. Ouais, elle s'est griffée, elle a des croûtes à sa tête. Pourtant, maman, elle fait tes ongles régulièrement, hein. Mais t'arrives toujours à te les couper, hein, à te griffer. En début de semaine, on a reçu un partenariat donc avec Lollipop. Si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est tout simplement une caméra et elle est comme ça. Franchement, elle est toute douce, elle est super jolie. J'hésitais entre ce qu'il y avait bleu, pistache ou rose. Mais pistache, j'avais peur que ce soit plus jaune que vert. Et donc là, je vais la mettre. Et en fait, pour, ça marche avec une application. Enfin bref, je montre tout ça et je vous montre. Donc quand je l'ouvre, en fait c'est rangé par compartiment. Donc ici vous avez de quoi bien mettre les fils contre le mur parce que les fils qui dépassent, on sait que c'est dangereux. Vous avez ici une attache à mettre au niveau du mur si jamais vous voulez pas mettre contre les barreaux et ou que vous n'avez pas de barreaux. Et comme ça vous mettez ça sur le mur et vous pouvez mettre ça hop et vous l'enroulez. Et ensuite ici, bon moi je l'ai déjà fait. Mais en fait, vous avez une deuxième prise. Angleterre, je crois, j'ai un doute. Mais en gros, vous avez une deuxième prise. Et dedans, vous avez quand même des instructions. Parce que forcément, on peut pas deviner comment ça fonctionne. J'ai décidé de mettre l'application directement sur l'iPad et Chris il l'a mis sur son téléphone. Et en fait dès qu'il y a des bruits, ça se met en alerte. Et donc là par exemple, du coup ça s'enregistre et on peut revoir le moment. Tu viens faire... Petit bébé qui râle. Et donc du coup c'est super bien parce que
Même ça, du coup, on peut le garder. Il y a des moments qu'on peut garder en vidéo, tout ça. Et vous voyez, c'est vraiment une bonne qualité. C'est un grand angle quand même. Je trouve qu'on voit vachement bien ce qui se passe autour. C'est qui le bébé qui va changer la couche? Qui pue? Mettre en pyjama surtout. Oui, je vais les mettre en pyjama. Pyjama 4 fromages. Moi je pense que t'as fait caca. Moi je pense que t'as fait caca. Moi je pense que t'as fait caca. Est-ce que t'as fait qu'un gros pipi? T'as pas fait qu'un gros pipi. T'as pas fait qu'un gros pipi. T'as pas fait qu'un gros pipi. Maman elle m'a refourgué le bébé, elle m'a dit elle a fait un gros pipi. C'est un monstre de balle. Oh putain! Tu mériterais que je t'étouffe avec. Comme ça. Ah, c'est pour le gros caca que tu m'as donné hier. Bébé, ce matin, j'ai changé un caca jusqu'à son nombril. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Ah, rigole. Papi, papi, palou, poupi. Pou, pou, pa. Papi, papi, palou, poupi. Pou, pou, pa. Et de gauche à droite. Et tu dis ça? Non, et en haut, le ventre. Elle se marre bien. Rien de tel qu'un petit fou rire. Ah, on claque des barres, toi et moi. On s'est pris un beau fou rire tout à l'heure, ah oui. Si toi t'as eu peur. T'as eu peur quand j'ai dit un beau papa. Tu te souviens? J'ai dit un beau papa, t'as eu peur. Si tu vas mal et goût, ouais. On dirait que t'as redécouvert ton rire. Et tu veux que je te dise encore plein de trucs? En fait, c'est ma voix qui te fait rire. C'est quand je te parle. C'est quand je te parle ou c'est vraiment tu comprends ce que je dis, peut-être? Non. Ça y est, tu rigoles plus. Ça y est, tu rigoles plus, c'est fini. C'est fini, tu rigoles plus. Enfin, si tu rigoles plus, moi je m'en vais. Hein. Moi je m'en vais si tu rigoles plus. Je te préviens. Hein. Je m'en vais. Je m'en vais. Il faut rigoler. Hein. Allez, je m'en vais. Il est venu de loin celui-là.